un petit tailleur, assis sur sa table près de la fenêtre, cousait de toutes ses forces et de la meilleure humeur. Bonne crème à vendre, bonne crème à vendre. Par ici, il y a acheteur. L'odeur de la bonne crème se répandut jusqu'au mur couvert de mouches, qui vinrent en groupe assiéger le pain. Hé, mais qui vous a invité? Dit le petit homme. Il chassa les hôtes importuns, mais les mouches, qui ne connaissaient pas son langage, ne se laissèrent pas les conduire. Elles revinrent même plus nombreuses. Thank you.
le jardin d'un palais. Et comme il se sentait un petit peu fatigué, il se coucha sur le gazon et s'endormit. Nous te donnerons la moitié de notre royaume et nous t'accorderons la main de la princesse, notre fille. Seul auprès de l'animal qui broutait paisiblement. Thank you.
Dès que le sanglier eut aperçu le petit tailleur, il s'élança sur lui en écumant et en montrant ses défenses menaçantes pour le découdre. Mais le petit tailleur se réfugia dans une chapelle qui était là, juste à côté, et en ressortit aussitôt en sautant par la fenêtre. La bête l'y avait suivi. En deux bonds, le tailleur s'élança vers la porte et referma celle-ci derrière lui. Afin qu'ils vissent le prisonnier de leurs propres yeux. Et les paysans accourus lui firent fête et célébrèrent la victoire de leur bienfaiteur. Devant lesquels le petit tailleur fuyait éperdument. Sans perdre de temps, il remplit ses deux poches de cailloux et grimpa dans un arbre.
Les géants, arrivés dans la clairière, se couchèrent et s'endormirent bientôt. Le petit tailleur se glissa sur une branche et lança ses cailloux l'un après l'autre sur la poitrine de l'un d'eux. Celui-ci finit par s'éveiller, poussant son compagnon du coude, lui dit : « Mais pourquoi me frappes-tu ? » « Oh, tu rêves, dit l'autre, je ne t'ai pas touché. » Il se recoucha, et le tailleur fit alors tomber un caillou sur la poitrine de l'autre géant. Dit celui-ci, pourquoi me frappes-tu ? Mais moi je ne te touche pas, dit l'autre en grommelant. Cependant le petit tailleur recommença son manège et choisissant le plus gros caillou, il le jeta de toutes ses forces sur la poitrine du premier géant. Ah, c'en est trop ! S'écria celui-ci et se jetant comme un forcené sur son compagnon, il le poussa contre un arbre, avec une telle violence que l'arbre en trembla. L'autre le paya de la même monnaie, et ils y mirent tant d'acharnement qu'ils arrachèrent les arbres dans leur colère pour s'en porter des coups tant et si fort qu'ils tombèrent morts l'un à côté de l'autre. Ma boutique.
petit tailleur entra en tremblant dans le bois. Il n'eut pas à attendre longtemps. La licorne s'élança bientôt sur lui, comme pour le percer. De la main de ma femme, la couronne de laurier, et enfin, de la main de la princesse, sa propre main. Commencèrent et le petit tailleur fut fêté pendant longtemps encore par le peuple du royaume.
Et c'est ainsi que finit l'histoire du petit tailleur.